Bonsoir et bienvenue dans votre ligue de hockey sports. Alors que ce soir, les séries de finale de division continuent. La division sud, alors que les Whalers ont passé au travers du Mufasa de New York. Nos underdogs en chef de la ligue ont su surprendre le Mufasa de New York. Vont-ils faire la même chose aux Red Wings de Détroit, eux? Qui eux aussi ont éliminé les Capitals de Washington, mais en 4 matchs. Et les Whalers, eux aussi, ont fait la même chose avec les Mufasa de New York. Et la série commence ce soir, c'est le match numéro 1, alors que les Whalers rencontrent les Red Wings. On va voir l'état des forces du côté des visiteurs, du côté des Whalers de Hartford. Il y a un très surprenant alignement. On va aller voir ça de ce pas. On a Mika Zibanejad, Vincent Trocheck, Zach Parise et Nazem Kadri, Adam Henrik, Vander Kane, Tyler Johnson, Philip Dano, Kyle Turris, Sonny Milano, Ryan Kessler et Brian Little. Et en défense, Miro Skinen, Noah Nefin, Ivan Provorov, Brady Shea, Oscar Clefbaum et Darnell Nurse. Et dans les buts, le nom moins surprenant, Antti Ranta pour les Whalers. Maintenant, du côté des Red Wings de Détroit, on a Patrick Kane, Steven Stamkos, Nikita Kucherov, Mikko Rantanen, Alexander Barkov, Taylor Hall, Mark Stone, Mark Scheifele, Blake Wheeler, Matt Duchesne, Jonathan Toews et Sean Couturier. Tout un alignement. Et en défense, Victor Hedman, Drew Doughty, Eric Karlsson, Roman Josi, Ryan Soller et John Klingberg. Dans les buts, Carey Price est là. Et je vous rappelle, en série, difficulté superstar. Difficulté superstar et l'ordinateur contre l'ordinateur, computer versus computer, et on se dirige à Détroit pour le match numéro 1. Et tout un match pour le match numéro 1. Alors, que les Red Wings affrontent? Tout un duel de gardiens. C'est Price, 4 victoires, moyen de but alloué de 1. Un jeu blanc. Et 4 victoires, 2 défaites du côté de Ranta, moyen de but alloué de 2.5. Et un jeu blanc. Et c'est Stamkos contre Trocheck pour commencer le match. Bon match à tous. Et c'est Doughty qui a la rondelle. Maintenant, on est en zone de Hartford, Edmund à Kane, à Stamkos. Il perd le 10, Zibanejad de prend. Remaïs Kainen dans sa zone pour Trocheck en zone centrale. Maintenant, en zone de Détroit. Trocheck, la passe arrière. Ice Kainen, à Parisi, Ice Kainen qui tire. C'est bloqué par un joueur des Red Wings. Zibanejad reprend le 10, remet pour Anefin. Anefin tente la passe. On a pêché sur le jeu. Qui est pris en défaut? C'est Doughty qui prend défaut pour avoir accroché. Un jeu de puissance pour Hartford et Kadri, Turris, Johnson contre Couturier et Toews. 18-8 à faire. Et c'est Hartford qui l'emporte. Johnson à Clefbaum. À Johnson. Pour Clefbaum qui tire. C'est bloqué par Josi. Mais on réussit à garder le disque là. Turris à Little. À Turris. Devant le filet, on tente un tir, on prend le retour et on marque. Et on prend les devants. Kyle Turris pour les Whalers Hartford. Et on prend les devants, ça coûte cher les pénalités en série. Il y a eu un tir qui a été transformé en passe. C'est quand même bien pensé. On a réussi à déjouer
Carey Price là-dessus. Turris a saisi le disque et l'a mis dans le filet. Et maintenant, c'est Turris qui a marqué. Il passe à Kadri et Little. Et justement, c'est les Whalers qui l'emportent. Maintenant, en zone de l'étroit, à Kane qui tire. Il rate le filet. Markov reprend. Remet pour Josie. À Hall, au centre. Maintenant, en zone de Hartford. Taylor Hall. Du haut des cercles. À Josie. À Hall. À Markov. Il tire du revers. On arrête Ranta là-dessus. Markov reprend le disque dans le coin. Tente la passe. Mais Provorov bloque. Le rondelle de liste, Rantanen reprend, tire! Il y a un arrêt de Ranta là-dessus. Il y a 15-51 à faire, c'est Dano contre Scheifele à la mise en jeu. Dano l'emporte à Clefbaum pour Nurse. Quand la passe, la rondelle lui revient. Dano la reprend. Maintenant, en zone de Détroit. À Turris, on a un tir de Johnson. Il y a une belle arrêt de Price là-dessus. Maintenant, récupération. C'est Sutter. Au centre. Maintenant, en zone des Whalers Hartford. Sutter. La passe arrière. Interceptée par Turris, qui remet à Johnson. En zone centrale. Maintenant, en zone de Détroit. Johnson, le long de la rampe, tente la passe centrale. Mais c'est Shifty qui intercepte. C'est Stone. Pour Wheeler. On a tenté une passe pour un tir. Passe. Ça a été intercepté par Turris. Maintenant, en zone de Détroit. Le long de la rampe. Amers. À Dano. Qui tire. Et marque. C'est 2-0 pour les Whalers Hartford. Mais que se passe-t-il à Détroit, mesdames et messieurs? Et Dano va inscrire le deuxième des Whalers. À 13-15, et les passes vont à Nurse et Turris sur le jeu. C'est Kessler contre Taze et Kessler l'emporte. À Anifin, à Kessler. La passe centrale à Little qui tire. L'arrêt Price là-dessus. Détroit. Reprend le disque, il y a pénalité et retardement pour les Whalers. On sort le gardien pour le sixième attaquant. Et les Whalers touchent au disque, il y aura pénalité sur le jeu. Ce sera à Détroit d'en profiter maintenant. C'est Kessler qui a été pris en défaut. Pour avoir accroché. Ah, c'est Détroit qui sort l'attaque massive. Stamkos, Kane et Kucherov contre Kadri et Henrik. Le Kadri l'emporte à Anifin pour Provorov qui dégage à Davy. Kadri reprend, remet à Henrik. Jusqu'en zone centrale, dégage derrière le filet de Détroit. Récupération, Carlson à Kucherov pour Stamkos, à Kane. En zone de Hartford maintenant, Kane. La passe, la rondelle va derrière le filet. C'est Remet Provorov qui dégage dans le fond de la zone. Il va rester 1 minute 10 au jeu de puissance. Kadri derrière le filet. Henrik, on a même fait un tir sur Price. Il y a un arrêt là-dessus. Carlson, maintenant pour Kucherov. À Edman, en zone centrale. Edman, tire, rate le filet. Anifin tente de faire la passe, mais c'est récupéré à Stamkos. On tire le but! Et c'est Kane qui marque, je crois. Et oui! On réduit l'écart, c'est 2-1. On a trouvé la faille d'Antti Ranta. Et comme je le disais plus tôt, les pénalités font mal en série. Et on vient de le voir. La passe tire sur réception. Ils ont déjoué Ranta sur le jeu. Et les Red Wings s'inscrivent au pointage. Il n'y a qu'un but de retard. Maintenant c'est Hall en zone de Hartford. La passe arrière à Doughty. On a un autre tir, l'arrêt de Ranta. C'était Barkov cette fois-ci. Il
ça joue agressif. On vient de voir le top des joueurs là, du côté des mises en échec. Il y a beaucoup de joueurs. Les Oilers dans le top des meilleurs joueurs en série. Là, c'est Edman tire, c'est bloqué par Parise qui fait une contre-attaque. En zone de Détroit, Parise. La passe, Anders qui tente un tir, mais Rantanen le bloque. Il remet pour Edman, maintenant en zone centrale. En zone des Oilers, à Hall qui tire, c'est bloqué en défense. Zibanejad maintenant recule. Passe Anders derrière son filet, qui remet pour Milano. Milano à Zibanejad. Qui remet à Milano qui se fait intercepter le disque. Maintenant c'est Hall. À Rantanen, il tire l'arrêt de Rantanen. Il n'y aura pas de retour. Maintenant c'est Kessler contre Taze. Taze l'emporte. C'est Couturier maintenant. À Carlson, à Couturier, à Carlson, à Couturier, qui remet à Taze, qui tire l'arrêt de Ranta là-dessus. Il reste 7-23. Maintenant, c'est Kessler contre Taze de la mise en jeu. 7-23, comme je le disais en première. 2-1, les Oilers. C'est Taze qui l'emporte. À Yossi, à Carlson, à Yossi, à Couturier, à Duchesne qui tire l'arrêt de Ranta là-dessus. Kessler reprend, remet à Iskainen pour Little en zone centrale. Maintenant en zone de Détroit, Little. La passe à Hanifin qui tire, c'est bloqué par Couturier, mais Iskainen réussit à garder le disque. La passe arrière pour Milano, à Dano, à Milano, à Iskainen, à Milano. On tente la passe à Dano, mais il est... Il tentait de surlever, il glisse disque, on retourne en zone centrale. Milano perd, on profite Couturier qui entre en zone des Wheelers. Couturier, on a tenté... Une passe, c'est devenu un arrêt du côté de Ranta. Maintenant, c'est Dano contre Shifley. 5-14 à faire en première. C'est 2-1 les Oilers. Dano l'emporte, haché à Provorov maintenant, dans son territoire. Jusqu'au centre. La passe à Johnson. En zone de Détroit. Tente une feinte. Johnson réussit à garder le disque. Remet à Dano. Dano tente une passe. Il a été plaqué. Shifley remet pour Stone. En zone centrale. Maintenant on rentre en zone des Oilers. Et on la rentre. Stone passe vers le centre. C'est Shifley qui récupère un mot défenseur. On a un tir. Ça a été bloqué. Stone maintenant tente une passe centrale. Mais Dano intercepte la passe. Dano maintenant contre la passe. Shea à Dano. À Zibanejad. Maintenant pour Provorov qui tire. Rate le filet. Shea réussit à garder le disque en vie. Remet à Provorov.